Voilà, bonsoir. Donc David Blondiot, personal trainer, directeur de la Fitness Academy. Je suis en compagnie de mon épouse qui est aussi mon élève. J'espère que pour vous, le déconfinement vous fait du bien et je vais essayer de vous en donner encore un peu plus de bien aujourd'hui avec Marie. On va commencer par un petit échauffement relax et puis on débutera nos exercices. Marie, gentiment, comme d'habitude, petit échauffement, on lubrifie les articulations, on réchauffe le corps, on descend, on monte, on va en faire 10. D'accord. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et des grands ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Point des pieds. 1, 2. On en fait 6. 3, 4, 5, 6. Maintenant, intérieur. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mains aux oreilles. Et 1, 2, 3, 3, 4. Bien descendre les mains. 6, 7, 8, on va jusqu'à 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, encore 5, et 1, 2, 3, 4, et stop. Les deux pieds sont joints, on va essayer d'étendre que ça tire ici, retour simplement, toujours du même côté, on va en faire 10, et on essaie bien d'étendre son psoas. 1, hop, 1, hop, 2, très bien. On reste sur 10 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfait. Et l'autre côté, voilà. Qu'on sent qu'il se passe vraiment quelque chose ici, c'est très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Coup de poing, coup de poing, coup de poing et on va lentement et puis au fur et à mesure, on va essayer d'accélérer la dose pour bien chauffer. 1, 2, 3. Tu commences doucement, tu t'étends et puis tu accélères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On accélère. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien, on respire. Ok. Et 1, 2, 20. 1, 2, 3. Oui, les mains vont là où elles veulent. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va jusqu'à 20. 13, 14. Les 5 derniers et 1. 2, 3, 4 et 5. Très bien. Réchauffe. Oui. On respire. Et maintenant, simplement, on tourne le tronc. 1, 2, 3, 4. 10 fois tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et le dernier mouvement d'échauffement. 1, 2. Si maintenant les mains veulent se libérer, libérons-nous. On est déconfiné, on en profite et on y va. 1, 2, 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Parfait. Bon. Au tout début de nos rencontres, je vous avais parlé de quatre grands mouvements qui vous permettaient de libérer votre dos et notamment la partie du haut du dos. Hein. Je vous avais montré des exercices comme le I, le T, le W, le L. J'aimerais les refaire avec vous aujourd'hui. On va encore les intégrer hein, ensemble, mais on va passer ces quatre grands mouvements en vue durant toute cette séance d'aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien rendre les choses systématiquement de plus en plus compliquées. On doit faire avec les moyens du bord. Tous les exercices que nous réalisons ici sont des exercices qu'on réalise sans aucun matériel. D'accord ? Bon. Premier exercice où nous allons introduire notre fameux T1, des exercices qui va travailler toute votre scapulaire. Ce sera celui-ci, tout simple. Marie va aller vers la gauche, frôler le sol et I. Frôler le sol et I. Marie est capable de fléchir facilement la hanche parce qu'elle est entraînée. Si vous n'y arrivez pas, parce que vous manquez de conditions physiques, fléchissez moins, étendez-vous davantage. Si maintenant vous pouvez, fléchissez I à gauche, I. Marie. Hop et I. Hop, I. 1. On en fait 10. Voilà, on pense bien respirer. 4. Très bien. 5. Et dans ce mouvement du I, 6, toute sa scapulaire travaille. Ce qui va l'adresser encore 2. 1 et 2. Très bien. On récupère et on repart de l'autre côté. On frôle et 1. Très bien. 2. 3. Très bien. 4. Voilà, c'est toute cette scapulaire. 5. Qui se libère. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. La machine est chaude ? Oui, ça va. Très bien. Ok. Imaginons notre caillou. Il y a quelques séances, je vous avais montré de ce mouvement-là. Bon. Maintenant, nous allons faire exactement le même mouvement en étirant cette partie ici. L'adducteur, on va poser, frapper. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Si vous voulez frapper là, si vous voulez frapper là, vous êtes libre. On ne cadre pas, on ne cadre plus. Je frappe. J'étends, je frappe. Où tu veux, on va faire 10 à droite et puis 10 à gauche. Hop, et 1. Hop, et 2. Voilà, Marie étend bien ici, et 3. Et 4, voilà. Et 5, allonge bien le bras, Marie. 6, voilà. 7, 8, 9 et 10. Très bien. On respire très très bien. On part et je frappe. On part et tend bien le bras, Marie. Voilà. 3, voilà. 4. Un coup de poing puissant, 5, très bien, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire. Nous revenons à notre premier exercice de base que nous allons rendre légèrement plus difficile. Même chose que tout à l'heure. I, squat. I, squat. Ok ? Plus vous avez une bonne condition physique, plus le squat peut être puissant. Si vous êtes fatigué, vous descendez bien entendu moins bas. Donc, comme tout à l'heure, et quand je suis là, je reviens encore en squat. Et on reste sur 10 répétitions. Hop, je monte. 1. Toujours à l'un côté. Hop, je monte. Squat. Va un peu plus devant, Marie. Ok. Hop, I, hop, squat. Hop, I, hop, tu peux ramener les mains quand tu fais ton squat, hein. Il n'y a aucun problème. 5, hein. 5, voilà, hop, 6, 6, très bien.
Très bien. Hop. 7. 7. Parfait. Hop. 8. 8. Hop. 9. C'est pas grave. 9. 10. Et 10. Très bien. On récupère. Côté gauche, aussi propre que tout à l'heure, tu vas vers l'avant, légèrement vers la gauche, son I, on ramène les mains et son squat. I, 1, parfait, je tire bien, voilà, on libère tout le dos, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Excellent. Et maintenant, comme tout à l'heure, hip extension, je frappe une fois, mais deux fois dans un angle différent. Et coup de poing violent. Un, retour, deux. Donc, un, retour complet, deux. Je ne te cadre pas. Reviens bien systématiquement avec le bras, tu prends l'élan et au lieu de frapper une fois, tu frappes deux fois dans des cadres différents. Ok. Hop. Et un, deux. Très bien. Hop, je m'étends. Un, 2, excellent. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1, et 10. Très bien, on respire. Je vais à gauche, je reviens. 1, 2, 2. Voilà. 1, 2. Voilà. Bien étendre ici. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9, 1, et 10. Très bien. On respire. Et la troisième variante, où on va également libérer la scapulaire et bien entendu travailler les jambes. I, squat, saut. I, squat, saut. Plus tu vas monter, plus l'exercice est puissant. D'accord ? Ok, hop, I, squat, saut. 10 à gauche, 10 à droite. Hop, I, squat, 1. Très bien. Hop, I, squat. Essaye d'aller un peu plus vers l'avant, Marie. Hop, I, squat, 3. Excellent. Hop, I, squat, 4, hop, I, squat, essaye de bien fléchir celle-ci, hein. Tu fléchis, non, tu fais une hip extension, tu pars devant, tu fléchis, oh oui. Fléchis, okay. Ok, tu vois, hip, tac, 5, voilà, I, squat, 7, encore 3, très bien, I, voilà, tac, tac. Donc, encore un, je fais le I et je saute. Hop, I en remontant. Mais non. Et stop, très bien, si, si. D'accord ? Bon, tu les coupes, ça n'a pas d'importance, tu fais le mouvement. Idéalement, au moment où tu reviens, tu fais le I, ouais, tac. Ok. Donc maintenant, on va sur la gauche, donc n'oublie pas, c'est une petite fente, sauf que tu vas légèrement sur la gauche. Je fente. Je monte, hop, et je termine par le petit saut. Tranquille. Okay.
reviens d'abord avec les mains et saute. 3. Hop. Voilà. C'est tout à fait ça. Tranquillement. Hop. 5. Va un peu plus vers l'avant. Allez. Voilà. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Hop. 9. Hop. Et stop. Très bien. On respire. Hein. Ce sont des exercices puissants. Hein. Ça vous paraît facile, mais c'est des exercices qui sont, comment dire, extrêmement puissants. Et maintenant, on est parti. Attention. Même exercice pour le dos, qui est le T maintenant. Tout à l'heure, nous avions fait un. Maintenant, nous allons faire un T. 1, 2, 3, tranquillement, ok. 10 fois, et ensuite 10 fois, tranquillement. D'accord? Donc, les mains sont là, voilà, on revient bien. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Les jambes sont écartées, bien écartées. Je frôle, je m'étends. Je frôle le sol en essayant d'être droit. Et je monte sur la pointe des pieds. 1. Voilà, je m'étends. 2. Très bien. 3. 4, 5, on reste sur 10, 6, 7, 8, 9, et 10, très bien, on respire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et comme tout à l'heure, c'est retour, petit squat. C'est retour, petit squat. Donc, T, retour, petit squat. T, retour, 1. T, 2. T, 3. T, 4. T, 5. T, 6. T, 7. T, 8, T, 9, T, et stop. Très bien. Excellent. Et l'autre côté, donc maintenant, T, petit squat. Tu peux récupérer, hein? T, et 1. Voilà. Hop, je m'ouvre. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Hop. 9. Hop.
Tout à l'heure, nous étions les jambes plus écartées, on montait sur la pointe des pieds. Maintenant, on va essayer de serrer les jambes, tout en essayant de maintenir les talons sur le sol, de frôler avec les mains le sol et monter sur la pointe des pieds. Et ici, on va en faire 15. Essayez de conserver les talons sur le sol, plus tes fesses vont descendre sur le sol, plus tu vas sentir le travail des fessiers. Ok, okay? Vas-y. Un, voilà, je m'étends. Voilà. Et essaie de penser à ce que tes talons essayent de rester sur le sol quand tu descends. Très bien. Trois. Et on en fait 15 comme ça. 4, 5, très bien, 6, 7, excellent, 8, 9, encore 5, monte bien sur un point des pieds, Marie, 1, hein. Voilà, 2, très bien, 3, 4 et 5. Très bien. On respire, ça va ? Oui. Et notre dernière variante, hein. Hop, souple, hop, petit squat, souple, hop, tu ramènes les mains, tu seras plus à l'aise, petit squat, souple. Tranquillement, plus tu vas sauter, plus l'exercice devient puissant. Donc, en fonction de ton état de fatigue, gère ça, relax. Hein. Okay. D'accord ? Commence les pieds toujours un peu joints. 1. 1. Retour. Hop, petit saut. 1. Voilà, T. Petit squat. Et saut. Voilà. Tac. Petit squat, dosso, 3, voilà, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10, et on respire. Ah oui, hein. Le saut est automatiquement plus puissant. Hein. Plus vous allez descendre, plus au niveau veineux, ça monte, au niveau artériel, et la pompe tourne. Hein. C'est un exercice qui est hautement cardiovasculaire. Hop, 1, hop, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, pas de problème, hop, et on respire. Parfait. Ah oui. Comme je vous l'ai dit précédemment, toute cette partie du dos qui fait que vous vous tenez droit, hein, il y a quatre grands exercices que j'aime travailler qui sont le I, le T, le W et le L. Il nous en reste deux à faire. Hein. Nous avons fait le I avec cet exercice-ci. On a travaillé le T comme ceci. Et maintenant, je vais demander à Marie de travailler le W, comme si vous vouliez montrer vos biceps, donc 90 degrés, avec une légère fente arrière. 1, 2, 3. Si vous vous sentez fatigué parce que les exercices sont assez puissants aujourd'hui, fléchissez moins la jambe arrière. Donc, on se concentre sur une jambe. N'oubliez pas les bras à 90 degrés. 10 droite. 10 gauche. Voilà. Tranquillement.
8, 9 et 10. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et tout simplement, pour récupérer, nous allons faire maintenant le L. Donc, le bras, essaye de rester collé, hein, le biceps, essaye de rester collé sur le corps. Et nous allons faire un mouvement qui est dit le L. Si vous n'allez pas loin, pourquoi, pour des raisons que vous faites, vous êtes assis la plupart du temps, il se peut que vous arrêtiez là, c'est pas grave, et tranquillement, vous allez essayer de revenir systématiquement L, L. Juste simplement, ça va permettre de récupérer. Maintenant, redescends à chaque fois, tu es là, et tu tires 1, reviens, tire 2, très bien. On va en faire 15, 4, 5, 6, 7, 8, très bien, 9, encore 5, 1, 2, 3, 4, et 5. Très bien. On respire. Et comme précédemment, les routines sont faciles. W, squat. W, squat. W, squat. W, bien respirer. Hein? W, 3. W, 4. W, 5. W, 6. W, 7. W, 8. W, 9. W, et stop. Voilà, c'est bizarre, hein? Ouais, ça chauffe. Si vous avez suivi les séances depuis le début, vous devez maintenant sentir qu'il y a un gros changement aussi au niveau de votre condition physique. Les exercices sont quand même déjà plus puissants. Maintenant, adaptez-les. Si vous avez pris le train en marche, relax. Hop. Un. Hop. Voilà. Deux. Hop. 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Parfait. Nous allons encore maintenant faire une petite variante de ce que j'appelle ce mouvement L. Tu vas garder les jambes bien ouvertes comme ceci. Tu dois sentir qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Tu vas essayer de descendre au maximum le plus droite possible, revenir et L. Tu ne bouges pas les jambes, tu essaies de frôler le sol. L. Tu vas sentir toute la tension et le travail aussi à ce niveau-là. On reste sur 15, tranquillement. Plus tu peux descendre, tu es assez souple. Essaye d'imaginer que tu es devant un mur, donc ne penche pas vers l'avant. Droite, sentir vraiment la tension ici, se relever et s'étendre. Et on reste sur 15 répétitions. Donc ouvre bien les jambes, ok, okay. Voilà. Tu frôles, tu te lèves. 1, très bien. Voilà. Tu sens le travail? Oui. 1, n'hésite pas à bien ouvrir, hein, si tu es capable, de bien ouvrir les jambes. Voilà, comme ça.
4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On arrive au bout. Ma technique, c'est de monter graduellement la puissance des exercices. Ok. Pour moi, je suis certain que le corps est déjà bien chaud et on se blesse beaucoup moins facilement quand on augmente finalement la puissance au fur et à mesure. W, petit squat. W, petit squat. On aura donc travaillé le I, le T, le W, le L, tout en travaillant plusieurs dimensions au niveau de tout le bassin, de la hanche, des fentes et des fessiers. Donc, fente arrière, fente arrière. À ton aise, avec erreur, sans erreur, on est là pour se faire du bien. W, Marie, hop, petit saut. W, retour, squat, petit saut. 2. W, 3, W, 4, W, 5, W, voilà, 6, W, 7, W, 8, W, 9, W et stop. On reste. On arrive au bout. Il n'y a plus que la jambe gauche à faire avec le W. Et puis on fait un pull down. C'est un entraînement qui est puissant. Tu as bien donné. Je ne t'ai pas laissé tranquille pendant plus de 30 minutes, 30-40 minutes. Donc si vous arrivez à faire ça, sincèrement, chapeau. Je sais de quoi je parle. Et je connais la puissance de ce genre d'exercice. Hop. Petit squat, 1, hop, petit squat, 2, hop, petit squat, 3, hop, petit squat, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et très bien. On récupère. Bien, tranquillement. On balance. 1, 2, relax, on en fait 10. 1, on balance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On s'étend. Bien garder les mains au niveau des oreilles. Devant, pour étendre encore ici, derrière, 10 fois, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, très bien, merci, excellent entraînement. Merci à vous tous. Eh bien, comme vous voyez, ben, il est temps de se sentir bien. C'est l'essentiel. Je remercie aussi encore les élèves de la Fitness Academy qui
qui me guide à travers tout l'exercice que je compose et qui compose avec vous, avec moi. C'est vraiment devenu des pros. Ils se sont battus durant la période de confinement. Merci à vous tous. J'espère que vous avez suivi et on se retrouve très, très bientôt. Une belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir.